Salut, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, récemment j'avais parlé d'un futur, une future acquisition, futur achat. Donc vous serez pas étonné de voir ce qui va se passer aujourd'hui sur le bon sur l'unboxing. Putain, ça va être chaud. Alors, c'est pas vraiment un nouveau matériel. Là pour l'instant, je l'ai brouillé volontairement pour laisser un petit peu de suspense. C'est un matériel qui date déjà d'il y a 2 ans. Alors, la problématique que j'avais, c'est que je reviens sur PC. J'ai pas eu de volant depuis 3 mois entre les mains. Parce que, bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Vous savez un peu ce qui s'est passé pour ceux qui me suivent. Le fait est que je voulais quelque chose qui soit compatible autant sur PC que sur console. Parce que je fais énormément, comme vous l'avez vu, de GT Sport et j'ai pas envie du tout d'abandonner. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour ce volant. Alors, certains vont me dire, ouais, il y avait peut-être mieux, bref, il y avait peut-être d'autres choix à faire. J'ai effectivement regardé ce qui était disponible en termes de compatibilité. Il existe même le drive hub ou je sais plus quoi, enfin un accessoire en plus. Moi, ce que je voulais, c'est quelque chose de fonctionnel, quelque chose de rapide à mettre en place, parce que je ne sais même pas comment je vais rouler. Pour l'instant, vous voyez, je vais rouler sur mon bureau. Donc, très honnêtement, pour l'instant, je vais essayer comme ça. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées et qui fait que je vais peut-être pas réinvestir dans un PC complet. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que mon bureau, vous voyez là ici, tel qu'il est, la config que j'ai, voilà, je peux travailler tranquillement, assis, debout, enfin bref, je fais ce que je veux, c'est plus simple que le châssis JCL que j'avais avant et qui me servait entre guillemets pour jouer, mais aussi un peu de bureautique. Donc c'était un peu chiant. Bon, voilà le choix. Donc la vidéo, je répète, elle n'est pas toute neuve au matériel, parce que vous avez déjà eu énormément d'unboxing sur ce matériel. Moi, l'avantage entre guillemets que je vais avoir par rapport à d'autres reviews que vous avez vus, c'est qu'en fait j'ai eu le CSL Elite premier du nom qui est sorti il y a je sais plus 4-5 ans, enfin bref, vraiment au tout début. J'avais eu le T3, enfin G29, T3, non, G27, T300, et après j'étais passé au CSL. Le fait est que le CSL me convenait bien, surtout avec le Fanatec, la marque, où j'avais eu aucun souci. Et qui plus est, on peut changer de volant et des volants de qualité. Mais j'ai été attiré par la folie des Direct Drive. Voilà. Et j'ai été, pas dire con, mais voilà, je suis passé, j'ai passé le cap et j'ai revendu tout. J'ai pris le Direct Drive. Donc là où ça va, comme je disais, devenir intéressant, c'est qu'en fait, vous allez avoir mon retour concernant le Direct Drive et le CSL. Puisque j'ai fait CSL, Direct Drive et je suis revenu au CSL. Voilà en gros pourquoi. Ça peut être intéressant pour vous de savoir qu'est-ce qu'il en est, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ce modèle-là est intéressant. Je crois que c'était le Thrustmaster, c'est lequel, le TGT en fait qui était compatible aussi, le G29 aussi qui est compatible PS4, donc bien évidemment j'ai aucun doute sur la compatibilité PS5, on verra ça plus tard. Bref, voilà, donc on va arrêter de blablater, hein, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, certains savent déjà de quel modèle il s'agit, voilà, je vous le dévoile, hop, j'enlève le filtre et vous voyez exactement ce que c'est. Donc, le modèle Fanatec. Allez, donc c'est parti. Alors, d'ores et déjà, désolé, s'il y a des petits couacs sur la vidéo, je viens de voir que sur le retour qu'il y a des petits soucis. Bref, de toute façon, c'était pas ça le problème. Alors, on y va. On va essayer de déballer ça assez rapidement. De toute façon, je vous ferai des incrustes et des gros plans sur certaines parties. Ne vous inquiétez pas, vous savez que en général, je fais au mieux pour vous. Donc la petite notice qui va bien, je pense qu'elle va un petit peu me servir. Hop. On va mettre ça là. Alors on y va. La roue, on verra ça après. On y va donc pour la base. Alors la base que je connais, elle a changé esthétiquement, mais en termes de form factor, c'est la même. Désolé pour le bruit. Clairement, hop, et on a fini avec ça. Clairement, je vous ferai de toute façon, je viens de le dire, le gros plan. Clairement, ça change pas. Et c'est vrai que par rapport à mon AQ-Force, c'est de une tout petit et de deux tout léger. C'est juste hallucinant. Alors la finition, elle a changé, parce que moi c'était imitation carbone, je sais plus, c'était une petite grille. Là, c'est on dirait de l'alu brossé avec le Fanatec ici. On regardera ça un peu plus en détail tout à l'heure. Bah, tant qu'on y est, on va regarder la roue.
Alors la roue sur mon précédent setup, j'avais la roue Formula Black, qui je pense que alors je vous mettrai peut-être en incrustation, qui est en fait fermée ici. Elle est complètement fermée, donc c'est un complet. Donc comme d'hab, je sais pas où ils sont, parce que du coup ça fait 3 mois que je les ai pas utilisés, j'utiliserai les gants. Le format c'est le même, on retrouve la qualité très nettement. Alors les boutons qui sont encapsulés, pareil, je ferai un gros plan. Hop, donc tout est sous le logo de, comment dirais-je, de PlayStation. Voilà, le quick release que j'aime bien, je connais, ça y a pas de souci, je vous ferai de toute façon un truc plus gros. Je rebondis là-dessus, que j'ai également pris le petit pack de, hop, hop, c'est ici. Alors qu'il y a quelque chose qui est tombé, je vais juste regarder ce que c'est. Hop. Je ne sais pas. Ça vient de tomber du carton. Bref, allez, on va y passer parce que ma batterie va commencer à se vider. Donc j'ai pris les boutons. Petit bouton de. Pour changer et les couleurs. Et alors il y a la pince fournie avec. Et également tous les petits autocollants qui permettent de mettre de changer les touches que vous avez attribuées au bouton. On va voir si je les utilise. Très honnêtement, pour l'instant, j'en sais rien. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne sais pas encore comment je vais configurer l'ensemble. Alors, on va essayer d'enlever ça tranquillement. Je couperai le son ou je ferai des cuts. Ne vous inquiétez pas pour le son. Hop. Il y a quelque chose en dessous. L'alimentation, je suppose. Hop. L'alim Power Supply, yes. Qui visiblement, d'après ce que j'ai lu, a changé par rapport au premier modèle de CSL, qui maintenant est la même que la base V2.5. Voilà. Donc ça, on met ça là également. Ensuite, les câbles. RJ, je sais plus si c'est RJ11 ou quoi, l'alim. Donc deux alim. Il y a une alim, putain, j'ai eu peur. Il y a une alim, une grosse alim, pas dire américaine, mais. Longueur des câbles, on verra ça. L'alim EU. Hop, là tout est bon. Et enfin, le dernier élément. Pareil, j'ai pas hésité, le pédalier. Donc le nouveau pédalier, voilà. J'ai pas hésité. Alors ça paraît un peu bizarre, sortant du V3, mais très honnêtement, je pense que ça va me suffire. Je pense pas être déçu pour la simple et bonne raison que de toute façon, je me répète, je vais rouler moins. Donc à ce niveau-là, je ne m'inquiète pas. Alors ici au fond, on a quoi? Ouh le bordel. Alors, incroyable. Si vous voyez, Fanatec fournit des clés. Putain, les packages, ils se sont améliorés. Hein. Encore des boutons. Donc le reste du setup viendra. Hein. Je remercie d'ailleurs, petite dédicace à Mika, qui va, moyennant un très très bon tarif, me filer sa roue P1. Parce que, encore une fois, je vous dis, je vais réduire le budget. Hein. Je pars plus sur des montants aussi élevés qu'avant. Donc voilà. Je vais prendre le minimum, donc le P1 PS4. Donc encore merci à lui. Ici, le clip pour fixer sur le bureau. Donc moi, il va être ici, en tout cas temporairement. Je vais voir ce que ça donne avec la chaise, parce que je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Ici, on a le joint. Alors je sais pas, il y en a déjà le joint pour la base. Ici, la pédale. Donc ça, c'est la pédale. Je pense d'accélérateur, ouais, parce qu'il n'y a pas la dureté. Je regarde ma batterie, on arrive à la fin. Ouais, non, et juste un tampon, donc la dureté standard. Hein. Alors, pense pas qu'on puisse la régler. Ça m'étonnerait fortement. Et la deuxième, donc j'attends parce que là, en fait, l'autre selle n'était pas disponible. Donc j'attends vraiment d'avoir de la dispo pour pouvoir le prendre. Mais bon, pour l'instant, comme je vais rouler entre guillemets exclusivement en GT3 et tout ça, j'ai pas trop besoin d'embrayage. Je vais me démerder sans. Voilà. Donc là, le système. Hop. Je ferai un gros plan également. Système avec les astomères. Qui est déjà bien dur en soi et qui va me permettre justement déjà de bien commencer. Donc je sais pas où c'est. Je verrai ça plus tard. Normalement, il y a également les petits patins qu'on peut changer. Je les vois pas là. Ils doivent être juste derrière. Enfin, bref. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en termes d'unboxing.
d'unboxing. Putain, je vais pas y arriver avec l'anglais aujourd'hui. Il fait tellement chaud, je suis à combien? 30. Ici, on a les écrous, tout ce qui va bien à la visserie pour pouvoir tout fixer. Voilà, bah écoutez, en gros, je pense qu'on a fait le tour. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je regarde juste s'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors pour les pédales, je sais pas, je regarderai plus tard. Bref, c'est pas ça l'important. Je sais qu'il y avait plusieurs grips. Il y avait trois différents. Peut-être ici ou là. Ou alors c'est avec le package du pédalier complet. Parce qu'en fait, le pédalier se vend avec trois pédales, mais il n'était pas dispo. Parce que le Lotsell n'est pas. Le sel n'est pas vendu, il est en rupture de stock. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fait le tour. Je pense pas que je vous ferai un montage, enfin une vidéo du montage. C'est pas trop intéressant à mon sens. Ce que je vous ferai, c'est forcément un test, que ce soit aussi bien de la partie PC que de la partie PlayStation. Donc je vous invite à me suivre pour ceux qui me suivent pas encore, de vous abonner parce qu'en fait, je vais faire des essais et je vous dirai vraiment mon ressenti. Je vois tellement de monde passer sur Direct Drive. J'ai même vu des gars passer, comment dirais-je. Commander un CSL et puis limite le retourner ou je sais pas quoi, enfin le revendre tout de suite et passer sur Direct Drive. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous roulez suffisamment? Voilà, je vais être tout à fait objectif comme d'habitude. Je vais essayer de vous dire un peu si cette base CSL Elite qui paraît un bon compromis en termes de tarifs, voilà, je pense que c'est vraiment pas mal, bien que c'est quand même un certain tarif, hein, faut pas l'oublier, mais le Direct Drive est au minimum deux fois plus cher. Donc est-ce que ça vaut le coup? Eh ben écoutez, abonnez-vous. Mettez la cloche et puis on verra ce que ça donne dans les prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à une prochaine. Salut!